se propre comme nous, qui ressort plus de des bons, on peut mettre l'étranger. Mais le gouvernement guinéen, à cause des efforts fournis, on a encore des compagnies guerrières qui nous préparent ici. Donc, nous devrons tous attacher les ceintures pour aider le gouvernement à combattre les épidémies. Qui est d'ailleurs en train de battre plus considérablement parce que ce n'est plus la vie seule, ce n'est plus la vie seule, ce n'est pas la cérémonie seule désormais, c'est l'affaire plus loin. Les scientifiques, l'OMS, toutes les organisations spécialisées en la matière se sont levées pour venir aux côtés de notre gouvernement. Afin que cette maladie soit vaincue. Et je suis sûr que dans un très bref délai, à cause de tous les efforts fournis et avec la participation de chacun de nous, cette maladie va devenir un triste souvenir pour la Guinée et ses voisins. Voilà le message qu'on tenait à vous livrer. À chacun de continuer et de prendre le courage de personnes chez le courage et que tu verras tout en ville en rentrant chez toi, il faut te donner la peine au moins de laver ta main, même avec un simple savon. Ça, c'est extrêmement important. Il va pour notre propre santé, il va pour la santé publique, la vie publique. Voilà le message qu'on vient de dire. Le roi Baraoul est là, c'est un pharmacien. Il pourra prodiguer certains sages conseils en matière d'hygiène. Donc, je vais vous passer le micro pour qu'il poursuive. Et M. Makandra également est là, il est membre, je crois, de la communauté de riposte contre l'Ebola que le gouvernement a installé. C'est vrai. Le gouvernement n'a pas resté là pour agir. Il a mis une équipe gouvernementale pour riposter contre l'Ebola. Tout ça, ça fait partie des efforts. Donc voilà un peu. Donc,